Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de SkiMag. Je recharge les batteries et c'est parti. Ah oui, c'est vrai, le gobelet en plastique est un faux ami du tri. En fait, ce n'est pas parce qu'il est en plastique qu'il doit être mis dans cette poubelle. Il est beaucoup trop léger pour être recyclé. Mettez-le plutôt dans la poubelle destinée aux ordures ménagères. La question du tri est vraiment très importante. D'ailleurs, plus globalement, c'est toute la question de la gestion des déchets qui est devenue primordiale dans nos sociétés modernes. Imaginez une ville dans laquelle les déchets ne seraient ni collectés, ni triés, ni recyclés. Ce serait tout bonnement invivable. Alors à Saint-Quentin-en-Yvelines, depuis la réforme territoriale, depuis le 1er janvier 2016, c'est la communauté d'agglomération qui se charge des tonnes de déchets produits chaque année par les Saint-Quentinois. Comment ça marche? C'est ce qu'on va voir ensemble dans SkiMag. C'est parti! Pas question de prendre la problématique de la collecte et du tri des déchets à la légère. Tout à l'heure, je vous demandais d'imaginer une ville jonchée de déchets. Eh bien, sachez que ce scénario catastrophe est déjà arrivé très récemment, en Italie, à Naples plus précisément, où une série de mauvais choix ont plongé la ville dans un chaos sans nom. C'est pour éviter ce type de situation épouvantable que les déchets doivent être gérés de manière très stricte. Et Saint-Quentin-en-Yvelines s'y emploie. Pour en parler, j'ai rencontré Thierry Essling. Une organisation nouvelle est en train de se mettre en place. Celle-ci est très complexe, étant donné que vous avez 12 communes maintenant, 12 communes qui avaient chacun leur mode de gestion des déchets. Cette nouvelle organisation travaille d'une manière intense pour notamment optimiser, organiser les nouveaux contrats à venir, l'homogénéisation qui est souhaitable dans le domaine. Cette homogénéisation passe dans un premier temps par un transfert de compétences. Ainsi, les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont transféré une soixantaine de contrats de prestation à la communauté d'agglomération en début d'année. L'ambition qui est la nôtre est de réduire ce nombre de contrats et surtout, non pas les réduire pour les réduire, mais de les optimiser, de faire en sorte qu'on ait une homogénéisation des prestations qui sont rendues à l'ensemble des Saint-Quentinois en matière de déchets et faire en sorte également que cette optimisation puisse se concrétiser par des éléments d'économie sensibles. De meilleurs services donc, des économies et très important, sans augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le territoire est désormais découpé en 4 zones gérées par le service déchets de la communauté d'agglomération, lui-même composé de 3 pôles, à commencer par le pôle pré-collecte et collecte. C'est les apports volontaires ou le ramassage en porte-à-porte. La conteneurisation également est importante dans ce pôle-là. Deuxième pôle, prévention et valorisation des déchets. C'est l'éducation, c'est l'information, afin de valoriser cette richesse que sont les déchets. Bien qu'un déchet non produit est une immense richesse, un déchet produit en est une quand même. Il faut faire en sorte de transformer cette richesse et de la valoriser. Et enfin, troisième et dernier pôle, déchetterie. Les déchetteries qui, elles, sont un pôle de service, qui représente un pôle de service et qui apporte à la population et qui apportera à certaines communes qui n'en ont pas encore des services supplémentaires. Pour comprendre l'importance que revêt la question des déchets, voici quelques chiffres. Plus de 250 kilos, c'est la quantité d'ordures ménagères par an et par habitant des Saint-Quentinois. Elle se répartit de cette manière, en tête Coignières, suivie de Trappes, Plaisir, La Verrière, Guyancourt, Les Clés-sous-Bois, Maurepas et Lancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Villepreux et enfin Voisins-le-Bretonneux. Alors ça, ce sont les chiffres pour les ordures ménagères, mais il existe bien d'autres types de déchets qui doivent être triés d'une manière bien particulière pour être parfaitement recyclés. Et si comme moi, vous avez un petit peu de mal à vous y retrouver dans les couleurs, dans les poubelles, ce qui se recycle ou non, eh bien écoutez ce qui suit. Dans votre immeuble ou dans votre pavillon, vous disposez généralement de 2 à 4 poubelles différentes. Pas toujours facile de savoir à quoi chacune correspond. En général, la verte est pour le vert,
tout type de verre, du moment qu'il est propre et que vous ne jetez pas les bouchons avec. La jaune est destinée au plastique, mais attention, pas tous les types de plastique. Les bouteilles, bidons, boîtes métalliques, aérosols, cartonnettes et briques de jus de fruits, oui, mais surtout pas de polystyrène, de films et sacs plastiques ou encore d'emballages souillés comme des yaourts ou des boîtes de pizza contenant des restes. Vous pouvez également y jeter vos magazines, prospectus, revues et journaux, sauf évidemment si vous disposez d'une poubelle bleue normalement destinée à ce type de déchets. Souvent, des notices sont affichées à proximité des poubelles ou même carrément sur les poubelles. Si vous avez le moindre doute, jetez votre déchet dans la poubelle classique, la poubelle ordures ménagères. Comme nous le verrons un peu plus tard, il sera quoi qu'il en soit valorisé. Mais qui se charge de collecter ces tonnes de déchets ? Ce sont des entreprises privées avec lesquelles la communauté d'agglomération négocie des contrats de prestation, CITA, ESD, Nicolin et CEPUR. Créé en 1965, CEPUR compte 2500 collaborateurs et 1000 véhicules de collecte et de nettoiement. C'est l'agence historique de la société, Attiver-Valgrignon, qui est aujourd'hui le principal prestataire en charge des déchets sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur les 12 communes que comporte la communauté d'agglo, nous avons aujourd'hui 11 en gestion, avec différentes activités, ou propreté urbaine, ou collecte, ou déchetterie, ou les trois. En effet, nous travaillons historiquement avec ces communes depuis très longtemps. Nous avions jusqu'à présent 11 clients sur cette communauté d'agglo. On n'en a aujourd'hui plus qu'un qui représente 12 communes, 227 000 habitants, et ça devient mécaniquement l'un des plus gros clients de l'agence. Aujourd'hui, évidemment, l'idée d'avoir un seul interlocuteur nous permet d'être peut-être plus efficace sur l'ensemble des demandes, les rassembler, avoir une vision plus transversale de l'ensemble des communes. La société est résolument tournée vers l'innovation. Elle met à la disposition de ses salariés une vingtaine de véhicules légers électriques. Sur mon repas, la collecte se fait avec des camions roulant au gaz, plus écologiques et moins bruyants. En concertation avec Saint-Quentin-en-Yvelines, d'autres équipements innovants pourraient être prochainement testés, notamment des bennes équipées de bras robotisés ou bien une application GPS destinée aux usagers afin qu'ils puissent éviter les voies empruntées par les éboueurs. Tout flux confondu, CEPUR récolte 70 000 tonnes de déchets par an sur Saint-Quentin-en-Yvelines, un chiffre colossal. Toute la semaine, des dizaines de camions partent de l'agence de Tiver-Valgrignon à côté de Plaisir pour venir collecter les déchets de la communauté d'agglomération en déchetterie ou en porte-à-porte. Les employés peuvent démarrer à 5h du matin, ils travaillent par équipe de 2 ou 3, chaque équipe couvre un périmètre bien précis qu'elle connaît en général par cœur. Pour savoir quand sortir vos ordures, rendez-vous sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines et cliquez sur l'onglet « L'agglo à votre service ». Une fois collectés, les déchets sont ensuite amenés à l'agence de Tiver-Valgrignon pour être triés et, si possible, valorisés. Dans le tout venant, on va ressortir le bois, les papiers, les cartons, la ferraille. Ce qui n'est pas valorisable partira en déchets ultimes, soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. Le papier et le carton vont aller dans des cartonneries ou des papeteries pour refaire de la matière première. La ferraille va partir chez un ferrailleur qui, lui, va la faire refondre pour refaire du métal. Et les terres et gravats, on va les sortir aussi pour s'en servir pour faire du remblai. Quant aux déchets dangereux, pots de peinture, aérosols, déchets souillés, ils seront incinérés dans un autre centre classé équipé d'un système permettant de filtrer les fumées toxiques. Les déchets électroniques sont également regroupés à Tiver-Val, mais partent ensuite vers un centre de démantèlement afin d'en valoriser les différents matériaux et surtout éviter de renverser les polluants dans l'environnement. Enfin, les déchets verts sont transformés en compost qui viendra enrichir les sols agricoles. Et puisqu'on en est à parler des prestataires de Saint-Quentin-en-Yvelines, j'en profite pour vous rappeler que là aussi, la gestion intercommunale des déchets devrait permettre de faire des économies. D'une façon évidente, hein, comme dans tout métier, pardon, ou dans toute industrie, vous savez, le poids du volume que vous représentez est important auprès des prestataires ou auprès des fournisseurs. Il est clair que quand nous arrivons à 230 000, avec un marché qui est important, voire très important, les prestataires ont plutôt tendance à vous écouter d'une oreille plus attentive.
Nous l'avons vu, certains déchets nécessitent un traitement spécifique. Je pense notamment au bois, au carton, aux déchets électroniques. Eh bien, pour tout cela, la communauté d'agglomération gère 7 déchetteries qui, à terme, après harmonisation, devraient proposer le même type de service. Avant de partir à la découverte de l'une d'entre elles, il y a un chiffre à retenir. 17 500 tonnes, c'est la quantité de déchets qu'ont collecté les 7 déchetteries du territoire en 2015. Pour comprendre comment elles fonctionnent, je suis allé à la rencontre de Pierre Dormieux de chez Cita, la société qui gère la déchetterie de Guyancourt. C'est une déchetterie qui appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La déchetterie va vous permettre de vous débarrasser des déchets de production irrégulière. Donc ça va aller depuis des déchets dangereux, des pneus éventuellement, jusqu'aux déchets de tonte ou de pelouse. Si vous êtes un particulier, vous accédez à la déchetterie gratuitement. Vous devez vous munir de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous pouvez aussi demander à la communauté d'agglomération un badge d'accès en déchetterie qui facilitera votre accès, qui facilitera aussi le suivi de vos visites. Si vous êtes un professionnel, vous devez auparavant contacter l'agglomération ou votre ville et lui payer des frais correspondant aux frais d'enlèvement et de traitement des déchets que vous pourrez venir déposer ici. Sur la déchetterie de Guyancourt, le fonctionnement est simple et l'agent d'accueil est là pour vous aider, vous guider sur le tri. Vous pouvez apporter des déchets inertes, gravats, des déchets verts, du mobilier ancien, des équipements électriques, électroniques en fin de vie, des déchets dangereux comme vieux pots de peinture. Ce que vous n'avez pas le droit d'apporter, c'est l'amiante, les produits radioactifs, les ordures ménagères. Quelques exemples. Si vous amenez une porte en bois, le fait qu'il y ait quelques ferrures accrochées à la porte, hein, les gonds et puis la poignée, c'est pas important, ça va aller dans le bois. Si vous cassez un mur chez vous, s'il n'y a pas de plâtre dans le tas de gravats, ça pourra aller dans la benne inerte. S'il y a du plâtre dans ce tas de gravats, ça ne pourra pas aller dans la benne inerte, ça devrait aller dans la benne tout venant. Pourquoi ? Les inertes, les vraies inertes, on va s'en servir pour remblayer des carrières. Vous savez que le sous-sol de l'Île-de-France, il est truffé de trous, et donc on remblaye des carrières, ça permet de construire dessus. Si vous nous amenez du plâtre à l'intérieur, lorsqu'il y a de l'eau qui va couler au travers du terrain, ça va à nouveau faire des trous, parce que le plâtre va se dissoudre. Un point important pour nous, c'est la sécurité. Sur la déchetterie, il peut y avoir beaucoup de véhicules qui manœuvrent en même temps. Soyez attentifs, ne sortez de votre voiture qu'au moment où c'est vraiment nécessaire de le faire. Si vous venez avec des enfants, c'est mieux qu'ils restent à l'intérieur. Attention notamment aux remorques qui reculent. Vous en savez désormais un peu plus sur la manière dont sont gérés les déchets sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une question primordiale qui nécessite une logistique importante, mais aussi un peu de bonne volonté de la part de chacun d'entre nous. Vous savez, les déchets, c'est l'affaire de tous. Chacun prend sa part dans cette réduction des coûts, dans cette valorisation. Chacun doit y prendre sa part. Les habitudes doivent et seront amenées à changer progressivement pour le bien de tous, encore une fois.